On va à la pêche, oh. Il dit Et c'était plaisir, il la y a plus rien. grande qui parlait. Oh, il s'est... Oh. Voilà. Allô Vladimir? Ah, c'est Baba. c'est Baba. Non, Dada, Baba. Frérot, Ce mec on est a un un tour génie. mondial. Ouais, je vais te faire des Pêche. Oh. En plus, il avait raison. Putain, la pas tête. la pêche. Team Beauf, quoi, j'adore. Mon frérot. Merde, j'ai dit 7 peu coups. Ah merde, c'est trop con. Voilà une autre personne qui n'aurait jamais dû se mettre à la chanson comme moi. Et t'imagines, on a gagné la Coupe du Monde avec cette chanson là. Bah oui. Ouais. Putain, j'aurais dû faire une cover 1 heure de ça en fait. N'empêche, c'est un génie. Moi, Cyril Hanouna, je trouve que c'est un génie ce mec. Mais oui. Non, mais vraiment, je le pense sincèrement. En quel sens? Je trouve que ce mec est trop fort. Tout ce qui touche devient de l'or. Non, mais tout le monde en parle de ce qu'il fait, mais par contre. Non mais parce que regarde, même si on se moque de cette chanson et on dit que c'est de la merde et tout, mais au final regarde, on la connaît. Et voilà. Qui est mort. Ah non, c'est pas mon pote, je me suis pris un laser et là je me suis pris ça. Putain, c'est vrai que les transitions qu'on fait quoi, c'est exceptionnel quoi. Incroyable. Putain, j'ai été mute. Ah d'accord. Du coup, je sais plus ce que j'avais dit. Merde, c'est moi qui t'ai muté. Non, mais moi, non, tout seul, parce que je m'étais mute pour faire des choses. Ah. Dis-moi, me moucher. Hein. On va à la pêche. Voilà. Sinon, vous voulez parler des fois aussi où je me suis fait littéralement démonter la gueule après avoir demandé à une meuf de sortir avec moi. Oh, on pourrait être avec ça. Qu'est-ce que t'as fait? Mais en fait, au lycée, si tu préfères. J'ai essayé, mais en automation. Et là, je me suis foutu en PLS dans un coin. Et voilà. Mais je ne me suis pas laissé abattre. Mais moi, c'est horrible. Au collège, toutes les filles qui voulaient sortir avec moi, le problème, c'est que je les connaissais pas. Elles sont chiantes, hein, putain. Ouais. Mais moi, j'étais. Enfin, moi, je voulais d'abord faire connaissance, quoi. Avant. Oui, je suis d'accord. Mais elles sont casse-couilles, quoi. Putain. Non, mais. Bon, après, en vrai, non, mais avec du recul, j'aurais dû dire ouais, go, ouais. Mec. Non, mais en fait, c'est ça, parce que le problème, c'est que pour les mecs, ça fonctionne comme ça, mais pas pour les filles, en fait. Pour les filles, plus elles connaissent un mec, j'ai l'impression, et plus ça va être leur ami, mais pas leur petite amie. Peut-être, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est ma théorie. Après, voilà. Après, c'est pas tout le temps vrai, je pense que c'est pas vérifiable dans tous les cas, mais. C'est écrit dans mon livre. Cette blague a été trop faite. Je sais plus quel mec qui dit qui parle toujours de calories quand il dit la drague, c'est des calories que tu dépenses. Enfin, je sais plus comment il s'appelle ce mec. Mais il sort que des trucs comme ça, c'est trop drôle. Thibaut InShape. Non, je sais plus comment il s'appelle. C'est un. Je crois que c'est Frédéric Delavier ou je sais plus quoi. Mais c'est un daron de 40 piles. Je me suis fait bolosser comme ça aussi. Hein. Parce que bon, je raconte des fois où c'est moi qui ai bolos, mais. Mais moi, je me suis fait bolos aussi. I have been bolossed. Je crois. Et peut-être plus de fois que j'ai bolos. Mais où est-ce que je vais? Je sais pas où je suis. Mais t'as sauté, je t'ai vu sauter tout à l'heure. Non, mais je sais plus jouer, ça me saoule. C'est marrant. Est-ce que t'as déjà su jouer? Je vais repartir sur Borderlands, c'est mieux. Vas-y, je ramasse la queue. Oh non. Ah, allez, je suis descendu tout en bas. Je voulais encore ce genre de blague, franchement. De quoi? Non, mais ça va aussi. Hein. On grandit un peu, on a grandi quoi. Oh, attends. Ouais, non, mais. On est plus aussi puéril. Oh là. Tu fais un peu trop le mec supérieur quoi. Mais je suis supérieur! Putain, pourquoi Link the Sun y'a pas fait de critique? Ça aurait été trop marrant. Mais parce qu'elle est beaucoup trop bien, y'a pas de critique à faire. Surtout qu'il le déteste en plus quoi. Putain, ça surprend à chaque fois. Toi, tu me surprends toujours. Ah, mais attends, je l'entendais pas bien. Attends, je vais monter le son parce que je peux pas rater cette perle de la chanson française. Quand même. Oh là là, mais quelle horreur. Ah, mais il est en dessous, je suis un connard. Ah, bah oui, il est en dessous, putain. Ah, mais il est en bas. Quelque chose. Des fois, je comprends le suicide. Non, je rigole. Quelque chose. Finalement, je trouve que des fois, quand elle coupe un peu, bah c'est mieux en fait.
tout ce que je peux faire dans cette chanson, c'est les silences. C'est quand t'es chante pas. C'est quand c'est fini, quoi. Mais c'est typiquement le genre de chanson que... qui sont trop épiques pour les chanter en français, quoi. Mais surtout, c'est le pourquoi. Quelque chose. Quelque chose. C'est ça, c'est le credo de la chanson, c'est... Mais en fait, c'est ça. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire tout ce que tu veux, tant que t'y crois, bah c'est ce qu'elle a fait. Ah oui, elle fait même pas quelque chose, en fait. Ouais, mais là, c'est plutôt la mort, là. Putain. Tu fais quoi dans ce buisson? Je peux te rejoindre? Vas-y. J'attendais que de perdre l'aggro, mais je crois que je l'ai pas perdu encore. Tu fais une game buisson, c'est ça? Bah, c'est ça. We play the Minecraft. With the six ghosts. I play Pokémon Go every day. Mon étoile, c'est Florian. Et je dis ça avec un immense sourire. Je ne pense pas. Ah si, si. C'est le jour de plus dans, dans la vidéo d'aujourd'hui, mais Carlito il a encore montré sa bite. La photo de McFly elle est pas mal aussi. Belle métaphore pour parler de sa bite, quoi. Et cette fois cette étoile c'est Lucas. Oh. Bon, ouais. Ouais ouais. Ouais mon tante ouais. Le calme. Moi faut pas me faire écouter ça putain. Ah je peux faire un peu de flûte, attends. Ah non, ah non. Arrêtez-le. Arrêtez cette... Wow, le pire ce serait que tu sortes l'harmonica. Je l'ai pas là et puis je peux pas te faire. Si je fais ça je me fais virer de la maison. Ah. Tu dors dehors. Tu peux venir dormir chez moi. Cantone de Maxime. Ou alors à côté de chez moi. Ça c'est pas fini. T'as vu, c'est pas mal. C'est marrant, je trouve. Passer du coq à la... C'est ça. Ah non, mais ça, je pense que je vais le refaire. C'est magnifique, j'adore. C'est un beau concept que nous avons c'est trouvé là. C'est magnifique, petite beauté. Salut, mes petites beautés. Mon cher Philippe Cordelero. Rassera de rassera. Le grand Philatoras. C'est la Darka ce soir. Concept. Monsieur Philatoras, what do you think about your new concept? It's amazing, yes you know. Putain, on l'arrête plus. Can you tell at all your fanbase that is amazing concept, yes? What do you think about that? Je m'en bats les couilles, frère. So, I recoup the ball. And then I shot the trou in the defense, and then I shot in the bottom of the boot, and I score the goal. Oh putain. Petit sourire satisfait. En vrai, au prof d'anglais, j'ai hésité des fois, tu sais... Oh, c'est magnifique. Oh. S'il y en a un qui est capable de faire ça, Noël. Sauf que lui, oh, il disait des vrais mots, mais lui, c'était une horreur quand il parlait anglais. Oui. Ah. Si tu sais pas comment le mot se dit, tu le dis, quoi, tu prends le mot français, tu l'anglais. Après, non, lui, il utilisait les bons mots, mais juste, oui. Putain. Mais il utilisait l'accent français, genre comme s'il parlait en français. Ouais. Deux O d'affilée, je suis pas sûr qu'il disait shoot, tu vois, par exemple. Il devait dire shoot ou un truc comme ça. Non, quand il disait, au lieu de dire people, il disait people. Oh putain. People, ouais. Non, 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 moi ce qui me rend fou, c'est les profs d'informatique, mais qui prononcent des mots, genre de. Comment on dit tout le temps d'informatique, mais ils les prononcent mal. Quoi. Oh mais putain. Genre, je sais plus. Bordel. Je sais plus, mais il y avait Olivier Tess aussi, il disait average. Oh, ah, mais lui aussi il disait ça. Lui aussi, bah, Jacobini aussi il disait des trucs ouais. Comme ça. Average. Oui. Et nous là, oh, oh, oh. Ça fait tellement du bien d'entendre du bel anglais. Un anglais soigné. Délicat. Voilà, subtil. Oh, le string dans l'arrêt.
Non mais non, Forbes. Oui. C'est ça, 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 ça c'est beau ça. Ça c'est une de mes blagues préférées. Seuls les informaticiens peuvent comprendre. C'est tellement extraordinaire. Bah, ou les mecs qui font de la lingerie. Mais... Oh putain, fais chier, j'ai une erreur de string dans l'arrêt, quoi. Oh. Mes joyaux de pureté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah oui, enfin, mais, oui, c'était l'arrêt lisse. C'était drôle aussi. C'est l'arrêt lisse. Ah, toi aussi t'as l'arrêt lisse? Oui. L'arrêt lisse. Ah, toi, l'arrêt lisse? L'arrêt net, c'est parce qu'elle a tout dans le cul dans l'eau. Ah, hein? Non, mais c'est une blague, pourquoi l'arrêt net à oui. L'arrêt net? Parce qu'elle a le cul dans l'eau, je suis plutôt comme ça. Il manque une partie à moi. Parce qu'on dit pas evil, on dit evil. Evil. Resident Evil. Ils Resident sont Evil. Ils sont dans nos evil. You are the Devil. Comme Daredevil. Spiderman. Putain. Batman. Hey, tu sais quel est le super héros au Maghreb? Oui, c'est Musulman. Oh, il le connaissait pas, tiens. Je le connaissais pas. Ah, c'est drôle, vous m'avez diverti. Je ne vais pas me payer ma place. Et tu sais que ça, bon, j'imagine, il y avait quelqu'un qui avait déjà pensé avant moi, mais c'est pas une blague que j'ai entendue quelque part. C'est moi qui y ai pensé. C'est beau. Musulman. Et lui peut voler. Oh, je crois qu'il va pas falloir la mettre sur YouTube, celle-là. Non, t'en es trop bien. On s'en fout, tant que Jiraya l'a fait, on s'en fout. Oh bah non, parce que Jiraya, il est arabe, lui. Du coup, ça passe. C'est bon, alors allez. C'est vrai qu'il n'y a pas de second degré sur Internet, j'ai oublié. Oh putain, il y a une super séduceur demain, c'est cool. Ah. Il me fait trop rire, Fred. Attends, le mec arrive avec son tank quand même. Oui, j'arrive avec mon tu tank. Je sais jamais pourquoi en fait. Mais j'ai tellement envie de voir la suite. C'est trop drôle quoi. C'est tellement. Non, non, mais oh Lucas, voilà. Rebranche ton cerveau là. Non mais il doit être dans la braguette putain. C'est... Oui. C'est horrible. Alors pour moi ce sera. Non mais c'est quoi les affiches. Pour la dame ce sera Babi. C'est plus tué ça. J'adore le mec parce que même en tant qu'acteur, moi je pourrais pas rester sérieux en disant ça. Le mec il le dit tellement, tellement crème. Ah non mais donnez-lui un Oscar à ce mec, hein, sans déconner. Quoi. Lui c'est trop beau. Non t'inquiète, t'es plus beau mec. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si j'ai rangé. Si ça j'ai... devrait être écrit dans mon livre. C'est bon. Mais là j'ai l'impression qu'il s'est pris beaucoup moins au sérieux que parce que j'avais vu le let's play du premier évidemment. Et j'ai l'impression qu'il se prend beaucoup moins sérieux dans celui-là. Fais-moi, genre, il y a un moment où JDG il fait ouais, je veux pas dire que je suis youtubeur parce que, c'est... genre, youtubeur c'est pas aussi bien un truc bien que je fais des let's play sur Minecraft. Oui, <c'est>... Je me suis trop intimisé, ça m'a saoulé. Heureusement, je fais des let's play sur Minecraft. Minecraft. Je m'appelle Marc-Edouard et j'ai 13 ans. Oh, putain. Non, 16 ans, je sais plus. Il existe encore le mec qui fait encore oh, des vidéos. Wow. Il fait encore des vidéos, ça qui mais je crois que c'était un mec qui s'en battait profondément les couilles. Il se marrait quoi. Moi j'aime bien les mecs qui. Attends, tu veux que je devasse écouter la première vidéo où j'ai commenté sur YouTube, ça vaut le coup. Wabek Rayman, Wabek les lapins crétins. Ça s'amusera toujours bien. Mais tu sais que j'ai envie d'en faire une 2018. Mais vas-y. Hein. Mais je veux que tu chantes avec moi. Tu veux featuring la Giaka si tu veux. Oui mais j'ai envie. Je suis chaud. On a joué à MH. C'est ça, c'est que c'est devenu juste une parodie d'elle-même la chanson, c'est ça qui est très drôle. Ah il dort ou quoi? Tu veux dormir avec moi? Quoi? Allô? 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 T'es moins du mal en toi. Discord est down. Allo? Des interférences, je suis. Oui, c'est je la NASA. Sous un tunnel. Ah, on a été. Ah, on dirait que le FBI m'a hacké. C'est un hacker. Oh putain, non! Mais en tout cas, ça me tient à cœur. Putain, je suis en train de mourir. Si je meurs. Le truc qui me colle encore au corps et au corps. Je me suis mis dans l'acide pour éviter le. Bah non. Non, mais tu sais que les hackers, ce qu'ils font, ça leur tient à cœur.
Ah. Tu sais qu'il y a une mission dans Watch Dogs 2, j'ai déjà dit, mais une mission, c'est il a à cœur de bien faire. Ah! Dès que j'ai eu mon PC fixe, j'ai joué à regarder chez un 2. Minecraft. Non, pas Minecraft. J'ai acheté un PC à 2000€ pour jouer à Minecraft. c'est la vie que j'ai décidé. Ah bah, c'est coûté en ressources, Minecraft. Ouais, oui. Mais c'est joué pas. Minecraft. Non, c'est sur Windows 10, il tourne bien, mais y'a pas tout. Oui, mais quand t'as un bon PC, ça va, mais. Mais c'est pas qu'il y a pas tout, mais c'est que c'est pas compatible, c'est chiant. Voilà. Ils ont mis à peu près le même truc. Tout à fait, mon cher Philippe Cordelo. Et Manhattan. Le problème, c'est quoi? Limite les imitateurs qui imitent Lenson, donc c'est compliqué. Je préfère ceux qui imitent Jean-Marie Le Pen. Moi, tout le monde sait le faire, ça. N'est-ce pas? Oui. Mes petits farfadets nationaux, n'est-ce pas? je vais bientôt mourir, n'est-ce pas? Tu as par exemple la timide Ganesh qui fait. Moi, président, enfin, je le crois, c'est ce qu'on me dit, mais je n'en suis pas sûr. Ouais. J'ai jamais menti aux Français, ok? Je n'ai jamais menti aux Français. Eh bien, je vais vous le dire. Kadhafi, c'était mon copain, ok? Parce que c'est notre projet! Non, ouais, là, bon. Mais lui, il est inimitable. Enfin, c'est compliqué. Alors, je vais être clair. Ah, quoique. Non, il a aucun charisme. C'est le seul truc que je sais à peu près. Ah, faire. T'as vu, il a dit aucun charisme. Le bot, je crois qu'il était Macron, il s'est barré. C'est un pro Macron. Le bot il est en marche. Sauf qu'il marche plus. Oblitiva. Qui voulait même un pauvre con. J'ai beaucoup aimé cet accent. Qui voulait même un pauvre petit. Moi je mange des bananes toute la journée là. Oh putain, allez vas-y. Ah. Là c'est raciste. Non, mais c'est Jean Damien raciste, c'est pas moi. Ah. Est-ce que toi aussi, Tintin au Congo, ça reste ton préféré? Je l'ai déjà dit ça. Non mais je te repose la question parce que je m'en souviens plus. Mais j'en ai lu aucun. Je regardais que les dessins. T'as pas lu de Tintin? Non, j'ai regardé les dessins animés. Là là, moi c'est le premier que j'ai eu Tintin au Congo. Putain. Bah, je crois que de toute façon c'est l'un des premiers qui est sorti. Là c'est le premier de la série du coup. Après moi je me souviens pas que ça m'ait marqué plus que ça. Chang. Alors évidemment, moi ce qui me fait trop rire c'est encore la faute de ces satanés arabes. Ou alors c'est le truc de il était une fois l'homme où tu vois les gamins qui font tout ça c'est de la faute des juifs. Ils sont caillassés. Tu radotes. Pardon. Oui mais c'est vrai que c'est très bon. Parce que moi je radote jamais parce qu'une fois au McDo c'est même plus drôle, je suis même pas rire. Qu'est-ce que tu as fait au McDo? J'ai déjà raconté. Mais j'ai déjà raconté. Ah mais tu te rappelles même pas. Non moi je suis con. Il y avait une merde dans les jeux. Dans les tuyaux en plastique. Allez, un petit cake à l'extérieur. Et 4, du trop drôle. C'est inutile. Tu réagis comment quand tu tombes là-dessus? Soit tu es dégoûté, soit tu rigoles. Bah, je sais pas, j'écoute, peut-être que ça se mange. Je ramasse pour analyser de qui ça vient. Quand vous est venu le goût de la merde? Moi, j'étais tout jeune dans le jeu de McDo. J'ai trouvé une merde et j'ai commencé à jouer avec. Et c'était plutôt bon, ma foi. C'est dégueulasse. Mais ça me plaît. Le caca, c'est comme un bon fromage. Ah oui. Oh. Ça dépend de ce que l'animal a mangé. Moi, j'aime bien mes vaches. J'essaie d'imiter Thierry Olive. Ah, moi, j'aime bien mes vaches. Hein. Non, là, j'imite Hugo Délire qui imite Thierry Olive, donc c'est compliqué. Ah, oh, j'aime bien mes vaches. Il y a un atoll là-bas. Moi aussi, j'aime bien tes vaches. Quoi? Je vais déjà raconter, c'est la blague où c'est le truc de Benzaï. C'est une blonde qui se réveille sous une vache et dit « Oh, vous êtes encore là, les garçons » Attends, j'ai pas suivi. Ah, mais si tu comprends pas, t'es con quand même. Je crois avoir compris, mais je suis pas sûr. J'ai pas compris. Si, bah, le pile de la vache. Ouais, c'est bien ça. Ça ressemble à des... Ouais, et alors? Mais justement, on pense qu'elle serait sous les bites et tout. Ah, putain. Putain, tellement la détente. Ouais, d'accord. Non, mais... Je suis en train de visualiser la scène, et c'est très drôle. Le comique de situation. Demain, je vais me réveiller la tête dans le pâté. Oh, 10h30, ça va. Non mais d'habitude je rentre chez moi, tu vois il est 18h30, l'heure du souper et puis après je vais me coucher quoi. Du souper, personne. En lisant un bon Kant quoi. Un bon Kant. Voilà, et puis à Noël j'ai ma petite orange. Putain. Bien, quoi. Ouais, moi j'avais du charbon. Ah. On était bien contents, on avait pas toutes ces conneries. Hein. À 19h tu sais, il se fait tard hein. Faut que j'aille traire les vaches avant d'aller me coucher. Ah, c'est vrai. C'est vrai que
Puis il y a... Oui, mais c'est trop long les blagues, oh c'est trop dur de se concentrer en fait. Comme ma bite. Ah non. Ah non, ah non. Ah non, non, non. What the fuck. Pourquoi j'ai city-ké? Comment ça t'as city-ké? Bah, d'Halloween. Parce que t'es trop fort. T'en as toujours plus que tout le monde. C'est dingue. Non, ouais. Oh, mon Weasley. It's Levion. Oh. Ça y est, ça dans les vidéos à chaque fois. Je sais pas, mais ça pourrait y être. Et oui, je les regarde pas. Hein. Moi non plus. J'ai trop honte. J'assume pas. De quoi? Les vidéos que tu mets. Je mets pas de vidéos, j'ai pas de chaîne YouTube. Sur MH. J'ai pas de chaîne YouTube, moi. Tout non, mais lol, ça me prend que je suis son frère jumeau, en fait. Oh. Oh la vache. En vrai, c'est terrible ce genre de truc. Ça a dû tellement arriver dans les gens qui ont des jumeaux. Si, si, les coups, tu vois au bac à la place de l'autre et tout. Y a les vrais jumeaux, il y a les faux jumeaux hein, aussi. Oui, mais des vrais. Et puis le problème, c'est que non, tu vas pas au bac à la place de l'autre. Et les vrais, ils peuvent faire de la télépathie. Techniquement, tu le fais en même temps, quoi, genre. Non, mais bon. Oh, Janine, pourquoi j'ai skippé? Elle était trop belle. Non, mais en vrai, mais j'ai envie de la regarder. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. On te laisse. Ça ira. 2 minutes suffiront. Oh. Le vieux sang. Oh. Tellement longtemps, je l'ai pas fait. Non mais j'étais en train de d'imiter. Ah. Mais d'un fois que je croyais que tu parlais. Je croyais que tu parlais d'autre chose. Même aussi, je suis demandé en fait. Mais putain, mais non, j'étais en train d'imiter parce que... Comment ça, ça fait pas longtemps? Non. Faut le savoir. Bien non. La France a besoin de ça. Bah écoute, tu sais... Non, mais je m'en fous en réalité. En réalité, ça m'intéresse pas. C'est une question rhétorique, j'ai toujours confiance. Oh, d'ailleurs, j'avais vu une blague. Enfin, se faire masturber par quelqu'un, c'est comme les Jeux Paralympiques. C'est-à-dire, t'admires le courage, l'abnégation et tout ça, mais au fond, tu te dis que tu pourrais mieux faire. C'est tellement vrai. Ah, ça sent le vécu, d'accord. Bah oui, confirme, c'est tellement. Non, mais vrai. Y a pas. On se fout du vécu ou pas, c'est. Oui, vrai. C'est drôle. C'est drôle. On est tous des experts non, là-dedans. Bah en même temps, qui n'est pas expert, quoi, j'ai envie de dire. Moi. La patte de l'expert. Oh non. Quoi, mais vous êtes con? Mais vous êtes con? Oups. Mais vous savez, feu vert, la patte de l'expert. Feu vert, la patte de l'expert, j'ai envie de dire. On s'est pris un sac sale là. De toute façon, dans la vie, il y a les menteurs, il y a les très gros menteurs, puis au-dessus, il y a ceux qui disent je ne me masturbe jamais. Eux, par contre, ils sont hors cas. Mais il y en a forcément qui le font jamais. Je sais pas, mais en vrai, je m'en fous. Ça ne nous regarde pas. Il y a forcément un meilleur parallèle. Ou... Oh, arrêtez. Alors écoutez bien, c'est la prochaine. Le sort noir qui est sur la plage avec son papa. Il lui demande. Dis donc, est-ce que je peux jouer avec ton zizi? Oui, oui, mais ne t'éloigne pas trop. J'ai pas entendu. Oh non, vous êtes sérieux. Connard. Un compte Twitter, mais c'est encore du foot, je sais pas si ça vous intéresse. Non. Vas-y. Bah voilà. En gros, c'est un qui dit bonjour, Emmanuel Macron, comment faire une demande de destitution de la nationalité de Mbappé? Merci. Parce que il a foutu 4 buts, mais c'est de la blague, hein, c'est de la blague. Mais c'est drôle parce qu'il fout un quadruplé quand même, c'est pas rien, hein. Voilà. J'ai poupée à côté. Ta poupée à côté? Oui, j'ai ma poupée à côté, je la lèche tous les soirs. Ah, oh. Toi aussi. Toi aussi. Je savais que je n'étais pas seul. Oh, j'ai des goûts très particuliers. Non, mais moi ça m'angoisse, genre chez mes grands-parents, genre dans la chambre il y a des poupées mais vachement grandes, tu vois. Moi elles me font flipper la nuit. Bah en même temps. Faut pas flipper, mais tu sais, c'est gênant. Flipper, hein. Elles te regardent avec un sourire malsain. Il y en a, ils ont peur des clowns, mais moi c'est pas le cas, mais je comprends, tu vois, genre de truc. Bah moi j'ai peur des juifs, quoi. Non. Non, pas ça, Céline. Non, c'est pas vrai, hein. Préfère, on sait jamais. Moi, quand je vois Rabbi Jacob, j'ai peur. Pour moi, c'est un film d'horreur, lol. 999. Oh, je vais mourir. En plus, je crois qu'il faut pas mourir dans cette quête. Putain. Si, on a le droit. Est-ce que tu tournes la caméra derrière toi, Lucas, quand tu cours comme un animal? Non, je pense qu'il vient en direct. Non, mais... Putain, allez, mais on a le droit de venir. Merci à tous. Je pensais pas qu'il mais putain, mais j'ai pas fait exprès. Mais... Il est tombé. Il est tombé pour elle. Tu.
Où est le seigneur Aragorn? Il est tombé. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon, Legolas, quand même. Ah putain. Et le. Et yes, un pour tous et tous pour un. Même c'est... dans la mort, nous décédîmes. En plus, j'ai un connard, j'aurais esquivé vers l'avant. Je me faisais pas toucher. Ah oui, t'es un connard, ça on sait. Non, moi perso, je trouve que t'es pas un connard. Je t'aime. Putain, moi aussi. Yes. Yes.